Bonsoir Leïla, bonsoir Zéria. Je crois que je devrais dire plutôt bonjour ou à l'aslamu alaykoum. Bonjour parce que tout à l'heure, Amar Zahi va exécuter un très très beau sbouhi. Amar Zahi, c'est un chant, c'est surtout un chant, c'est quelqu'un à découvrir très doucement. Et puis surtout, avant de le découvrir, la condition pour le découvrir vraiment, c'est de se débarrasser de tous ses préjugés. Alors si vous avez des préjugés, mettez-les de côté puis écoutez Amar Zahi. Personnellement, je n'aurais voulu faire aucun commentaire sur lui et plutôt me taire et puis le laisser parler tout simplement, le laisser chanter. Parce que une des qualités d'Amar Zahi, c'est ça, c'est de ne pas trop parler, de dire juste le minimum. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de difficultés pour interviewer Amar Zahi, pour arriver à l'avoir, donc à le faire parler. Bon, il a refusé d'abord de parler de sa jeunesse. Il a dit non, je ne veux pas qu'on parle de ma jeunesse, ne faites pas parler les gens de ça et de ça. Je voudrais parler du Moufid. Moufid ou l'âme, c'est donc la religion, c'est les textes qui chantent et tout ça. Mais moi, je vais parler quand même un peu d'Amar Zahi, de ce que m'ont dit ses amis d'enfance. Paraît-il, il a vécu, bon, il a été orphelin très très jeune, avec des conditions très difficiles, a été pris en charge par ses oncles. Et je crois que c'est pour ça que Amar Zahi essaye aujourd'hui d'évacuer tout ça dans sa musique. Parce que parallèlement à un texte de réflexion, un texte religieux qui est des fois un peu sévère, un peu austère, il y a toute l'allégresse, toute cette joie, toute cette la suggestion de gaieté qu'il y a dans la voix et dans la musique que joue Amar Zahi. Et je crois que c'est comme ça qu'il évacue, qu'il répudie carrément toute cette tristesse, toutes les difficultés qu'il a eues. Il ne veut pas en parler parce qu'il ne veut pas éclabousser la vie des autres, comme ça, de sa tristesse, de cette enfance qu'il a eue. Et puis, il y a l'autre côté, donc ce côté un peu mystique, un peu soufiste d'Amar Zahi, bien sûr qui a un rapport direct avec les traits, le caractère de ce champ donc, de réflexion, ce champ religieux. D'abord, Amar Zahi, c'est un bonhomme très très religieux, très très grande foi. D'ailleurs, dès le début, quand je commence à lui parler, il pose ce préalable. Il dit, je ne veux parler de rien, je veux parler de mes textes, des valeurs qu'il y a dans mes textes et tout ça. Et puis, il me raconte une anecdote pour que je saisisse bien ce qu'il essayait de m'expliquer et qui consiste à dire que toute sa vie, ses rapports avec les gens, était basé sur un principe, c'est d'abord l'amour de Dieu. Et donc, l'amour des gens aussi, l'amour de ceux qui l'entourent. Et de dire que ce que fait l'être humain ne peut être bien fait que lorsqu'on a la passion des choses, qu'on a l'amour des choses. Il m'explique comment en 73, enfin, les années 73 ou 74, un de ses amis l'emmène presque de force à la mosquée pour le Jumu'ah. Et donc, bon, il fait la prière, il fait faire du mois, et puis il ressort, il ne retourne jamais à la mosquée. Ce n'est que 10 ans plus tard, en 80, qu'il va à la mosquée de son propre gré, parce qu'il a eu tout le temps donc, de réfléchir à cette question, de réfléchir à tous les principes qu'il y a dans l'islam, et puis à lui, à sa dimension, à ses rapports avec Dieu et tout ça. Mais il a continué à se parfaire, donc à essayer de mieux s'imprégner de cette religion, et c'est ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, il a bien fait. La preuve, ce qu'il fait maintenant est très très bon. Un texte, par exemple, un texte qu'il chante comme Chouf la Youb qui a lancé Outoublillah, a plus d'impact sur les jeunes que 10 années de discours politico-social dans je ne sais quelle revue ou quel journal, bon, sur tous les comportements sociaux, je ne sais quoi encore. Et puis donc, depuis les années 80, il a de plus en plus un
public de plus en plus nombreux, jeunes aussi, qui lui aussi de son côté a eu tout le temps de bien réfléchir, donc de bien réfléchir, regarder de près, revoir un peu donc l'islam, tout ce qu'il véhicule comme, comme principe et tout ça. Et puis il en a fait des adeptes inconditionnels, vraiment des amoureux d'un Marseille, qui le suivent un peu partout, et puis sont des amateurs, des fonds inconditionnels de Marseille. Alors peut-être avant de terminer, de laisser parler Marseille, ce qu'on va écouter ce soir par Marseille sont des extraits de récital qu'il a donné le jeudi 12 à la salle Ibn Khaldoun. Il y avait plein de gens dehors, des centaines et des centaines de jeunes qui ne pouvaient pas accéder à la salle, qui avaient vendu ses billets à 5000 balles, 50 dinars. Et puis Marseille m'avait dit, à un moment donné, je voulais demander qu'on ouvre toutes les portes, que les gens puissent écouter à l'extérieur, mais c'était impossible parce qu'il avait peur, peur qu'il y ait des incidents. Mais en ce qui nous concerne, nous, je suis sûr que ce soir, il n'y aura aucun incident. Bien au contraire, il y a plein de gens qui attendent. D'ailleurs, on le disait tout à l'heure aussi, avant que je n'arrive au studio, on le disait dans la rue, des gens m'ont dit, tout Alger attend Marseille. Et c'est très bien. J'ai l'impression qu'à un moment donné, sur CDT, un peu votre ligne de conduite dans la vie, et puis même dans votre travail et tout ça, je vous fais un peu de tout là. C'est pour ça que je vous demande d'abord de nous faire une strophe de sur CDT, et puis de parler donc, de cette ligne de conduite qu'il y a dans sur CDT. Fait des recherches pour connaître le poète. Est-ce que vous avez demandé qui c'était? J'ai demandé des amis. Il me semble que vous préférez plus
pire faire le shabby que de parler, n'est-ce pas? Alors on vous écoute, cher. Ardouane Desad. Bien sûr, dans votre milieu familial, avec les gens que vous connaissez.
ce qu'on dit, ce sont les préceptes, les principes de l'islam. Et vous êtes profondément religieux. Est-ce que, je ne sais pas, ça a déterminé bien sûr vos choix en musique. Ce que je voulais savoir aussi, c'est votre répertoire. Est-ce que vous ne travaillez que sur un répertoire de ce genre, ou est-ce que vous avez différentes choses? Ardouane DZ. Ce chanteur Chabé,
c'est surtout sa simplicité, sa modestie. Sa modestie est une vie vraiment qu'il veut mener simple. Certes, vu la méconnaissance de la langue arabe, le Shaabi lui a apporté quelques connaissances supplémentaires et qui ont, disons, un petit peu ajouté quelques traits à sa personnalité. Mais il existe des textes presque tels qu'on est maintenant avant le Shaabi. Il y a eu un apport côté religieux. Ce qu'il ne pouvait pas connaître par la langue arabe, il l'a connu par le Shaabi. Les traits caractéristiques de certains chefs qui ont écrit ces chansons il y a un, deux ou trois siècles ou quatre siècles, ils avaient quelques traits également qu'on retrouve chez lui. Et je le répète encore une fois, c'est la simplicité qu'on remarque chez lui. Vous avez chanté beaucoup, bien sûr, le répertoire Shaabi, comme beaucoup d'autres professionnels de Shaabi, chantent beaucoup des poètes qui sont connus pour leurs attitudes un peu soufis, ou carrément soufis. Et là, peut-être, question à poser comme ça clairement, Al-Zahir n'est-il pas, en fin de compte, un sympathisant du soufisme, n'est-il pas soufi lui-même, par ses attitudes déjà. Un jour, il me disait, j'avais demandé pourquoi il refusait de répondre à mes questions, il m'avait expliqué qu'il voulait acquérir le savoir, l'ilm, plutôt le ma'rifa. D'abord, Al-Zahir, est-ce que vous pouvez me donner la différence entre le ma'rifa et l'ilm? Le ma'rifa ou l'ilm, il y a Je dirais qu'il
كثير من ربي من وسع الدليل وليان سؤالي كان عمرهم دي جامعة تبسر لي هذا ربي كما يخدموا له Alors, Zahir, il est certain que vous subissez aussi toutes les influences, toutes les situations que subit le Shahbi. Et je voulais revenir à une situation, celle des années 80, où le Shahbi, quand même, a subi quelques, je dirais pas des attaques, mais une nouvelle situation. C'était l'époque où on avait dit. On avait commencé à dire que le Shahbi et la musique c'était haram, qu'il ne fallait pas chanter. Et il y avait même un courant dans le Shahbi, un courant qui s'est légèrement détaché et qui peut être représenté peut-être par Bouddhib. Je ne sais pas si Amarzaï voudrait répondre à cette question, parce que si je comprends bien selon ses attitudes donc, de Soufi, et puis l'Oxide qu'il a chanté il y a un instant. Peut-être qu'il ne voudrait pas parler de cette période. Je ne pourrais pas vous répondre sur cette question. Vous ne pouvez pas. Non, je ne connais pas. Mal choix, ça. Immédiate dans les années 80, bon, parce que peut-être par exemple il y a eu des gens comme ça qui vous ont dit c'est haram, il faut changer de voix, ne pas chanter. Il y a par exemple des gens Shahbi, n'est-ce pas, qui ont laissé tomber le Shahbi. Ce que vous faites, non. Je
interrogé chez Terre, mais j'ai été ma bonne qui m'a roulé. Le mouel, c'est des mouels, ou un mouel. Beaucoup de l'eau avec le mouel. Et puis j'ai été ma rapide aussi, car un mouel, ça doit être. Donc c'est ce que vous allez nous exécuter. Ardouane, désert. Ardouane Desert. Ce Khloui, c'est donc un état dans lequel on est, quand on travaille, une aspiration qu'on a. Et je voudrais que vous me parliez de votre méthode de travail. Comment vous travaillez sur le music shaping? Comment je travaille sur le music shaping? Je fais des recherches. Mais comment que c'est là? Comment on rappelle? Comment on appelle action? Pour assimiler ce qu'on a comme bien. On a une belle house. Là, comme ça, pour l'aspiration, elle a un petit repas. Je vous ai à la maman, parce que c'est la maman. C'est un petit repas, madame, le mouel, dans la house, le maman. Flonçon est tel, il veut flonçon, le mouel, dans le mouel. Et le maçon, c'est flonçon, le mouel, dans le mouel, la house, flonçon est tel. On n'a pas de bague, mais c'est un petit mouel, on peut l'aider, on peut l'ouvrir. C'est un sujet. Et le maçon, c'est flonçon est tel, la house, flonçon est tel. Alors là-bas, il a fait les mouels. La boue, c'est le flonçon, ben, il est roué, il est. على حسب يعني ما في قلب c'est des anciens les canons, je m'en de tenir que le HM est extrême. Je n'y ai comme ça. Si je vous comprends bien, il n'y a pas d'avenir du Shabé si on ne va pas vers ces gens-là qui sont encore vivants, ces vieux, si on n'essaie pas de savoir ce qu'on fait aussi ceux qui sont morts, si on n'essaie pas de le faire revivre, de travailler comme vous le faites par exemple. Ah non, il y a la bande américaine, il n'y a jamais le même aussi. Ça fait des siècles que nous les talons vont aller. Thank you.
y a beaucoup de gens qui chantent comme vous, beaucoup de jeunes qui chantent comme vous. Et qu'est-ce que vous donnez, vous, à ces jeunes-là? Les jeunes, ils ont l'habitude d'être au Moussé. Au Moussé, il y a un solfège. Au Moussé, il y a un polyslam. Vous-même, vous n'avez pas appris le solfège, vous ne connaissez pas la musique. J'ai pas eu la chance. Donc, les Hadouhad, j'ai étudié un petit peu la musique de Sahna, Marine, Chiriha. J'en fais que j'allais d'un Abnar, on était au niveau sécurisant, pour donner un petit détail qui m'a échappé. C'est pour être de la première fois que je parle à moi. Donc, le frère Hadouhad était au niveau de la Michalas. Je me dis que c'est ma potage de la musique, ça m'a échappé. Donc, le frère Hadouhad était au niveau de la Michalas. C'est aussi le piano, la grande partition. Quelle est l'importance de cette science qui est la musique? Vous l'avez ressenti, oui. L'importance, c'est aussi. Quelle est l'importance? En tout cas, les femmes sont pêches. Nous sommes pêches là-dedans. Les filles ont des boules de bouteille, c'est un mot. Les filles ont le sort, c'est un mot sur toi. Les filles ont. Les filles ont le. Il y a, par exemple, parce qu'on ne peut pas parler de l'histoire de Chabé sans parler de tous les gens qui ont apporté quelque chose au Chabé. Il y avait par exemple les musiciens juifs, les chanteurs juifs. Est-ce qu'ils ont apporté quelque chose? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aussi nous-mêmes? Je sais personnellement, bon, je suis plus jeune que vous, je sais qu'il y a une chanteuse qui existe encore et qui s'appelle qui vient à Paris. Je sais qu'il y a eu des tas de noms. Il y a Phil, il y a eu les Léponiches, voilà, il y a eu des tas de gens. Vous connaissez, vous avez connu ces gens-là. C'est la blonde, c'est des grands chanteurs. Ça m'a dit que la blonde, elle est en mode, ils ont sorti, ils ont pas son ami, ils ont dit qu'on m'a dit, on 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 ces gens donc qui n'ont pas pratiqué la même religion, qui ne pratiquent pas la même religion que nous, mais qui ont fait de belles choses aussi dans le et dans le champion. Bien sûr que nous, car on a notre pétale à canot des routes, qui est bien, on a canot des routes, 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 on a canot
C'est le même principe qu'on retrouve dans les Qasaïd de Chabi Orzaï. Ce sont des principes qu'on retrouve aussi dans nos familles, qu'on retrouve dans beaucoup de quartiers d'Alger. Et je ne comprends pas pourquoi ce sont des qualités que l'on retrouve surtout chez les gens qu'on a appelés Rajra. C'est exact, c'est faux esprit. Parce qu'il y a une description de ce qu'on appelle. Généralement, il y a eu un truc très schématique, une caricature des gens qui louaient la Chabi, des gens qui appelaient Chabi, tout ça. On les appelait, Hadiak Orja, puis il avait une tenue Tchangai, puis tout comme le Hadjir, Tchangai, le crier Fadal, le chef palestinien et tout ça. Et puis ils sont connus, le foulard, hein. Et puis ils sont connus pour leur qualité aussi, la qualité des hommes. Ils sont aimables, ils sont serviables, ils sont honnêtes, ils sont très bons. Ça représente une classe de la société algérienne. C'est d'abord ça englobe des jeunes d'un certain âge qui apprécient la Chabi et puis ceux qui apprécient les Chabi, ils essayent d'être compatibles avec ce que dit le Chabi, ils essayent d'être compatibles avec ce que dit le Chabi dans leur vie sociale, dans leur comportement, dans le milieu, dans leurs attitudes. Ils essayent d'avoir une tenue un petit peu en fonction du Chabi et de ça. Être bon, quelqu'un qui a besoin d'une aide, un saillant, c'est pour lui rendre assistance, essayer de faire du bien, essayer d'être aimable avec tout le monde. C'est un petit peu ça, là, et puis se sentir bon. C'est agir en bon citoyen. Je crois qu'on peut vous donner un doigt.
Ardouane DZ. إن شاء الله ربي يوفقنا كل ما تمنى. آمين. الله يبارك فيك.